Je vois ma soeur qui est en train de chanter avec joie. J'imagine ma mère. Je vous vois comme vous étiez content le jour où vous avez dit que j'ai accouché. Amen. Je sens, c'est comme si c'est moi qu'elle est en train elle est en train de me parler directement. C'était vraiment, vraiment horrible. Mais chaque fois que les frères sont dit, c'était et dans les camps, il était vraiment dans les camps. Sinon, je n'allais pas être ici debout devant vous. Sinon, elle aussi n'allait pas être là pour être consacrée aujourd'hui. J'étais à la maison très bien le matin, c'était un jeudi. Je me suis levée. Je fais tout ce que je peux faire le matin. J'avais rendez-vous pour la monitoring. Je suis allée, j'étais bien, j'étais vraiment bien sûr fatiguée, mais j'étais en forme. J'arrive là-bas. Juste quand on commence, on me dit que la tension est à 13. Ma tension n'a jamais été plus que 11. Et comme j'ai un problème de prééclampsie, donc normalement aujourd'hui je devais avoir une fille de 6 ans, mais Dieu n'a pas voulu, j'avais fait une prééclampsie à 38 semaines. Dans ma tête, j'avais toujours quelque chose qui me faisait peur parfois. Et chaque fois que j'avais peur, je venais chez le pasteur, il me fortifiait. Et là, je me sentais un peu à l'aise. Chaque fois que j'avais peur, c'était comme si c'est Satan qui me disait, cette fois-ci aussi, tu ne vas pas avoir ta fille. Et quand ça montait, parfois je dormais, je ne voyais même pas de vision, que non, j'ai accouché, je suis avec un enfant, non, je ne voyais plus ça. Je venais toujours chez le pasteur, il n'a jamais été fatigué, il me reçoit toujours, c'est la même chose, je reviens toujours. Je dis toujours la même chose, j'ai peur, je ne sais pas si je vais accoucher. Et dans ma prière, je disais à mon Dieu, je veux au moins une seule fois dans la vie accoucher comme une femme normale, avoir de douleur, perdre les os et puis faire tout ça comme toutes les femmes. La tension était à 13. On m'a dit d'aller uriner, je suis allée uriner, on a regardé, on m'a dit il y a des protéines dans les reins. Donc il n'y a pas moyen qu'on me laisse, il faut que je reste là. Je dois choisir entre la césarienne et le déclenchement. Et c'était tellement merveilleux parce que j'ai toujours peur depuis le début, mais ce jour-là, je n'avais pas peur. Je n'ai même pas voulu me décider. Je suis sortie chez le gynécologue. J'ai appelé mon mari. Je lui ai demandé de venir parce qu'il travaille non loin de l'hôpital. Je lui ai demandé de venir. J'étais tellement calme parfois, moi-même, quand j'imagine, ça m'étonne. J'ai pris l'ascenseur, je suis montée à la salle d'accouchement. J'ai appelé le pasteur. Quand j'étais déjà dans la salle d'accouchement, j'ai dit, pasteur, je suis devant un dilemme. Je ne sais pas quoi choisir entre déclenchement et la césarienne. Parce que lui, il savait que je voulais ni le déclenchement ni la césarienne. Il m'a dit, choisis le déclenchement, on va prier pour toi. Et je suis tellement contente parce que je sais que de tout mon cœur, je sais que vous avez prié pour moi. Amen. Alors rien que pour ça, j'ai envie de vous dire vraiment merci, merci, merci du fond du cœur et que Dieu vous bénisse énormément. C'était vraiment douloureux. Donc la minute où on a essayé de me déclencher, c'est à ce moment-là que la contraction a commencé. Donc je peux dire de 16h à 22h, j'avais des contractions. Ça évolue normalement. À 22h, c'est parti. Ça commençait à venir après 30 ou 40 minutes. Et à 4h, ça a encore recommencé. 3 minutes, on a dit, non, maintenant, ça va, c'est comme si elle va sortir. À 6h55, j'ai perdu les os. Et moi, je ne savais pas. Et pourtant, au fur et à mesure que la contraction augmentait, la tension aussi augmentait. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais là, j'étais toujours en train de supporter. Après un petit moment, la sage-femme est venue, elle m'a dit que non, on ne sent plus les cœurs de ta fille dans le monito. On veut maintenant voir, on va faire par la voix basse pour écouter son cœur. À ce moment-là, j'ai vraiment paniqué. Mais j'étais tellement calme parce que je sais mon mari a un problème de tension. Alors je me suis dit, si moi je panique, alors lui ça sera comment? Parce que lui il panique même quand on me pique. Alors je me suis dit non, garde ton calme, dis avec toi.
Quand la sage-femme est rentrée pour chercher le matériel, ce sont les gynécologues qui sont entrés, 6. Les gynécologues, les sages-femmes, donc il y avait 6 personnes dans la salle. J'avais vraiment vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas maintenant là. La gynécologue, celle qui était directrice de la salle d'accouchement, elle m'a dit, pour moi, je ne vais pas attendre encore quelques minutes parce que là, je ne vais pas demander ni ton avis, ni celui de ton mari. Mais je vais juste t'amener dans la salle d'opération, il faut qu'on sauve et toi et ta fille. Parce qu'avec ton problème de préclampsie, avec la sérénité que tu as eu avant, et la tension qui fait que monter, les protéines dans ton urine ne diminuent pas, il faut vraiment qu'on opère, sinon ça ne sera pas possible. Je n'ai rien dit, mon mari aussi n'a rien dit, on a accepté. On est allé dans la salle d'accouchement. Comme la contraction avait commencé à faire après 3 minutes, j'avais de la vertige, j'étais un peu fatiguée, je me suis dit peut-être c'est juste normal, c'est la douleur. Et pourtant c'était à cause de la tension. Je ne voyais plus bien, c'était vraiment flou. Quand on est entré dans la salle d'accouchement, le temps qu'on mette tout le péridural, tout ça, j'étais plus moi, je ne pouvais même pas faire un effort pour me dire fais ceci, fais cela, j'arrivais pas. J'étais vraiment au bout. Mais Di était là, juste après 15 minutes. Non, le gynécologue disait que non, ça va faire au moins 3 heures du temps, vu l'opération que tu as eu avant, ça va faire au moins 3 heures du temps. Et juste après 15 minutes, ma fille est sortie. Elle était vivante, elle était en forme. J'allais dormir avant qu'on me pique, j'étais déjà en train de somnoler. Et je disais à la sage-femme qui était stagiaire, là, j'ai dit, fais un effort que je ne dors pas, réveille-moi. Je veux voir ma fille avant de dormir. Réveille-moi, réveille-moi. Et quand je l'ai vue, j'ai même plus dormi. Je l'ai regardée. C'était à 9h55. Et jusqu'à 13h, je n'ai même pas fermé les yeux. Putain, j'étais fatiguée. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Si je suis de ce côté, on dit, réveille-toi, ta fille dort de ce côté, il faut changer la position. C'était tellement compliqué que parfois moi-même je me demande c'était comment ça s'est passé. Je n'ai jamais, j'ai pas vraiment la réponse correcte moi-même qui était là à cette place. Et je sais c'est parce que vous avez prié pour moi et parce que Dieu m'a protégée. Vraiment merci du fond du cœur, que Dieu vous bénisse énormément. Malgré la tension, malgré les protéines dans les urines, malgré tout ça, ça n'a pas apporté ma fille, ça ne m'a pas apporté. Et là, nous sommes là aujourd'hui. C'est grâce à lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.